beau faire pas mal de sport, les escaliers, c'est ce qui me tuera toujours. Surtout après un leg day. Les gars, là, je suis en train de regarder les analytics sur YouTube. Je vois que vous êtes 96% d'hommes à regarder les vidéos. Eh ben, c'est ma copine qui sera contente, tiens. Et je vois que la plupart d'entre vous viennent de France, donc merci aux Français. Et ici plus bas, je vois qu'il y a aussi Hong Kong, Japon, Vietnam et tout ça. Franchement les gars, ça fait vraiment plaisir, mais je me demande si vous comprenez quelque chose quand vous regardez mes vidéos. Merci les gars. Yosh, la scène family. Là, je vais aller m'entraîner avec une personne avec qui je suis en contact via Instagram. Et ça fait un an qu'on essaie de planifier un entraînement ensemble. Et aujourd'hui, on a trouvé une date qui nous convenait. Donc voilà, je vais aller faire épaules et biceps. C'est parti. Répétition 80 et 50. Vous avez entendu les gars, sans répétition. Dernier reps et puis on a 100. Quatre-vingts répétitions en frontal. Cinquante arrière. Je me suis fait piquer par un moustique. Mais c'est pas normal, en cette période il devrait pas y avoir de moustique. Quel conne. Je suis sûr que ça fait 2 mois qu'il est dans ma chambre, qu'il est en train de planifier son attaque là. Bon les gars, là je viens d'aller à la salle. Et non pas pour m'entraîner, mais pour signer ma convention de stage. Parce que la semaine prochaine je commence mon stage d'observation avec un personal coach. Le personal coach avec qui je vais faire mon stage, c'est quelqu'un de assez balèze quoi. Je vais à l'université pour étudier en bibliothèque. Et puis ce soir, la récompense, le sport. Le vendredi soir, souvent, les gens sortent, ils vont en boîte, ils vont au bar. Nous, on a trouvé un autre type de bar. Thank you.
dormir, je voulais vous parler d'un truc. Récemment, je parlais avec deux potes qui voulaient également se lancer dans le vlogging et dans tout ce qui est le fitness sur Instagram. Mais ils avaient une certaine hésitation. Par exemple, ils me disaient qu'ils avaient peur des regards des autres et ils pensaient ne pas avoir le physique pour faire cela. À cela, j'ai envie de dire, lorsque moi j'ai commencé tout ce qui est vlog, les photos, vidéos sur Instagram, je n'avais pas un grand physique. Encore maintenant, il y a 10 000 types plus musclés que moi à la salle. Tout ça. Je le faisais quand même parce que c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'aimais faire. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour dire quelque chose. Mais honnêtement, les gars, on s'en fout de ce que les gens pensent de vous. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est ce qui vous tient à cœur. Je ne vous parle pas que du fitness, ça peut être dans tous les domaines. La vie est déjà trop courte. Pourquoi se prendre encore la tête avec ce que les gens pensent de vous? Donc les gars, lancez-vous, faites ce que vous aimez faire et n'ayez aucun regret. Sur ce, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine, la Sign Family. Merci pour votre support.